Jeudi 20 février 2015, c'est l'heure de la grande édition sur BUN Télévision. Madame, messieurs, tout de suite, les titres de l'actualité. Première puissance économique en Europe, l'Allemagne est aussi un foyer mondial de rayonnement culturel. Elle décide ainsi de rouvrir l'Institut Goethe, son centre culturel à Kinshasa. Le déplacement du ministre allemand des Affaires étrangères en RDC valait bien la peine. Et puis, accélération du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante connaît déjà les noms des journalistes qu'elle a accrédités à Kinshasa. La centrale électorale a également pris du recul pour interpréter des réactions plus d'une semaine après la publication du calendrier électoral. À suivre également dans ce journal, il n'est resté plus qu'un siège pour que la Cour constitutionnelle s'installe et commence à travailler. C'est désormais chose faite. Le magistrat suprême a inauguré aujourd'hui le bâtiment où va fonctionner la haute juridiction aux côtés d'autres institutions judiciaires. L'événement s'est voulu grandiose et c'est le chef de l'État en personne qui s'est déplacé ce matin pour inaugurer le bâtiment qui va servir de siège pour la Constitution, la Cour constitutionnelle dans la commune de la Gombe, d'autres services notamment le parquet. Auprès, cette haute juridiction fonctionneront dans des pièces connexes. Reportage Guilin Kabalundi et Fils Matundu. Symbolique, mais lourde des significations, la coupure de ces rubans. L'appareil judiciaire congolais se voit donc doté d'un nouveau palais de justice. Le site est mythique, puisque réservé à la justice congolaise depuis l'époque coloniale. Outre le rez-de-chaussée, ce somptueux palais comporte trois niveaux et est extrêmement équipé. Il abritera les principales institutions judiciaires ci-après. Primo, la Cour constitutionnelle, qui traitera principalement du contrôle de la constitutionnalité, des lois et du contentieux électoral. Secondo, le Conseil d'État, sommet des juridictions administratives, qui connaîtra essentiellement du contentieux administratif. Et tertio, la Haute Cour militaire. En plus de ces hautes juridictions, l'édifice sera le siège du parquet général près la Cour constitutionnelle, du parquet général près le Conseil d'État. Il abritera également le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe et accueillera pendant quelques mois le cabinet du ministre de la Justice. L'Union européenne, partenaire à la RDC et dont la contribution globale à cette œuvre est évaluée à près de 5 millions d'euros, invite par ailleurs le peuple congolais à bâtir ainsi un état de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme. Je formule le vœu que cet ouvrage devienne un haut lieu de la justice, un symbole de la détermination du gouvernement et du peuple congolais à bâtir un état fort et uni, un état de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme, un état à même d'assurer la paix et la stabilité sur son territoire et dans toute la région. Le fondement d'une paix durable, l'accord-cadre d'Addis Abeba, a été signé voilà près de 2 ans. Après avoir gagné la guerre, il s'agit maintenant de gagner la paix, de respecter les engagements pris et de mettre en œuvre les mesures agréées. Après la séance des visites des locaux de cette bâtisse, le président de la République s'est immédiatement rendu à la station de captage d'eau de la régie des eaux Ngaliema pour une autre cérémonie d'inauguration. Ça a été dit tout à l'heure, le président de la République s'est rendu ensuite pour une autre cérémonie d'inauguration, celle de l'usine de captage d'eau de Ngaliema, financée par la coopération japonaise. La population pourra être désormais mieux servie en eau potable de la régie des eaux. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, 8 jours après la publication du calendrier électoral global, la Commission électorale nationale indépendante a procédé aujourd'hui à une évaluation au vu des réactions exprimées de part et d'autre, en même temps qu'elle a accrédité des journalistes de la capitale et jeté un regard sur le séminaire des secrétaires exécutifs provinciaux. Reportage Bibi Chungua. Devoir de redevabilité oblige, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante était face à la presse ce vendredi pour des échanges sur l'évolution du chronogramme électoral. La publication du calendrier électoral global, l'accréditation des journalistes ont fait partie des points abordés. Il s'agit de
359 journalistes accrédités. Nous avons enregistré 9 journalistes internationaux, dont 4 femmes et 5 hommes. Et la publication des calendriers est une prérogative exclusive de la CENI. C'est donc en toute indépendance, transparence et neutralité que la CENI a publié les calendriers globaux de ces élections. Et pour la bonne tenue des différents rendez-vous des urnes, la question du budget prend la première place des préalables. Une question bien explicitée par la questeur. Nous avons parlé du budget qui s'élève à plus ou moins 1,145 milliard de dollars. Tout le monde parle de la cherté des élections. Il faut considérer qu'il y a beaucoup de suspicions dans la mesure où même des choses qu'on aime faire ici sur place, à cause justement des appréhensions, nous sommes obligés de le faire à l'extérieur. C'est le cas des imprimeurs. Vous savez que tous nos bulletins de vote sont imprimés à l'extérieur. Il faut les transporter. Il y a combien de candidats? Rien que pour les élections législatives. En 2011, on en avait 19 000. De ce samedi, une équipe des experts chargée d'exécution du calendrier électoral sur le terrain de la Commission électorale nationale indépendante sera déployée en province pour la vulgarisation du calendrier électoral ainsi que celle de la nouvelle loi électorale. Descente qui intervient après l'atelier d'appropriation de cet outil. Des journalistes accrédités auprès de la Commission électorale nationale indépendante formés, des journalistes habitués également à suivre des formations à la cellule des sensibilisations de la Cour pénale internationale ont été outillés aujourd'hui. Le module de cette journée a consisté à faire comprendre aux chevaliers de la plume le déroulement d'un procès et la conduite adoptée par des témoins. Patricia Panzou. Ce sont des séances de formation que l'unité de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa met à la disposition des journalistes en vue d'accroître leurs connaissances et leur compréhension sur les procédures judiciaires de la Cour. Pour cette énième rencontre, la thématique a tourné autour de la procédure d'un procès. Les orateurs ont également évoqué les types de sanctions qu'inflige la Cour en cas d'atteinte à l'administration de la justice, selon l'article 70 du statut de Rome, et en cas d'inconduite à l'audience, selon l'article 71. Les sanctions en cas d'inconduite à l'audience. De quoi s'agit-il, au fait? C'est la possibilité qui est donnée au juge de la Cour pénale internationale de sanctionner l'inconduite à l'audience, y compris, et ça c'est important d'insister là-dessus, y compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de suivre les instructions des juges. Lorsque une des parties au procès, ou la cellule de sensibilisation de la CPI veut en plus des informations qu'elle met à la disposition des journalistes les former à analyser ces informations. C'est des rencontres que nous allons avoir chaque mois. Il nous faut d'abord une base des gens sur lesquels on peut compter. À eux maintenant aussi de répercuter comme il faut l'information que nous donnons, d'être en mesure d'analyser aussi l'information CPI qu'on leur donne, ils vont faire des émules. Les autres vont peut-être copier sur eux. En ce qui concerne la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, sur le procès Ngunjolo, l'arrêt d'appel concernant l'acquittement est reprogrammé au 27 février 2015. L'on s'attend à des inaugurations prochaines des infrastructures sportives dans le Bas-Congo. Fridolin Kasuechi est à Kinshasa après un bref séjour dans cette province où il a visité le stade de Lumumba en pleine construction à Matadi. Les travaux sur place vont bon train et cette réalisation va accroître le nombre des terrains de football dans le pays. Élisée Bilonda pour le reportage. Mercredi 18 février 2015, Fridolin Kasuechi Musoka et sa suite longent la nationale numéro 1, axe Kinshasa-Matadi, soit 365 km. À travers cette inspection, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics veut voir par lui-même comment se comporte la route. S'agissant des recettes de péage sur ce tronçon, elles ont augmenté d'environ 33% grâce à la suppression des exonérations, au splitage de la catégorisation des véhicules remorques de plus de 4 essieux, à la différenciation de l'ordonnancement et de la perception.
Des résultats rendus possibles de manière consensuelle. Arrivé à Matadi en fin d'après-midi, Fridolin Kassouchi-Moussoka présente ses civilités au chef de l'exécutif provincial, Jacques Mbadou Sitou. De là, la délégation se rend au stade Lumumba en pleine construction par l'entreprise chinoise Zhangwei. Les rythmes des travaux est plutôt bon. Le stade est en train de prendre forme avec des grands ouvrages qui sont en train d'être érigés. C'est un stade, comme vous le savez, qui devra accueillir 20 000 spectateurs avec des places assises, donc un peu plus pour ceux qui seront amenés à être debout. C'est parmi les grandes promesses que le chef de l'État a faites à la population du Bas-Congo et particulièrement à la jeunesse, qu'il faut occuper de manière saine. Et donc là, nous devons sincèrement féliciter le gouvernement provincial pour son leadership sur ces projets. Pour le gouverneur du Bas-Congo, ce joyau a une signification particulière. Nous sommes au service du chef de l'État, au service de la population. Donc tout ce que le chef prévoit pour la population ne peut être que matérialisé par ses collaborateurs que nous sommes. Donc mes sentiments sont des sentiments de détermination pour que ces projets soient inaugurés. Le stade moderne Lumumba du Bas-Congo, une fois terminé, fera certainement partie des plus beaux et grands stades de la République démocratique du Congo. Sachez que le ministre des Infrastructures rassure par ailleurs que le tronçon routier Matadi-Boma-Mwanda sera bientôt réhabilité, ce à la grande satisfaction des usagers et des autres personnes, car c'est l'une des voies importantes des exportations et importations de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Élisée Bilonda. Les 135 km de la nationale numéro 1, segment Matadi-Boma, seront pris en charge dans un avenir proche par l'entreprise chinoise Crexet et son sous-traitant Fotigat. Et bien avant les débuts de ces travaux de grande envergure, les ministres des Infrastructures et Travaux Publics a effectué le jeudi 19 février 2015 une inspection sur cet axe. Fridolin Kassouchi-Moussoka passe tout au peigne fin, aucun détail n'est négligé. La délégation poursuit son périple jusqu'à la ville côtière de Mwanda. Question d'évaluer les interventions à prendre sur cet axe. Des actions et des initiatives qui sont prises aussi bien par les autorités provinciales que locales et bien sûr aussi en synergie avec le pouvoir central. Mais il y a énormément de choses à faire. On a vu la route de Mwanda, ce n'est pas digne d'une route d'intégration nationale qu'on appelle route nationale numéro 1. La route Boma-Mwanda, longue de 106 km, sera intégrée à la concession en terre d'abord à travers la méthode de gestion par niveau de service, GENIS en sigle. Le revêtement interviendra après les développements de ses capacités productives. Direction Nord-Kivu, nous sommes à Goma dans la suite du ministre allemand des Affaires étrangères qui a remis aujourd'hui les 650 mètres de la piste de l'aéroport international endommagée en 2002 par le volcan à la régie des voies aériennes. L'exécution des travaux avait été cofinancée par la RDC et l'Allemagne. Patricia Loua est notre permanent sur place. Venus des provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que de la province orientale, ces 60 OPJ parmi lesquels cette femme ont juré respect au chef de l'État et obéissance à la devant le procureur général de la République, Maître Kongolo. La clôture de la formation de ces OPJ en violence sexuelle est une véritable réponse à un besoin urgent dans ces trois provinces pour combattre ces fléaux, a martelé le vice-gouverneur du Nord Kivu. Nul n'ignore que nos provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et celles de la province orientale ont traversé des périodes difficiles où les violences sexuelles ont été signalées et décriées par-ci, par-là. Le besoin en OPJ en cette matière était donc une urgence en vue de combattre ce fléau qui n'émane pas de notre culture et de nos peuples. De même, la protection de l'enfant, bien inscrite au programme du gouvernement central, constitue aussi une priorité sur laquelle nous attachons un intérêt particulier.
Pour la responsable de la police de protection de la femme et de l'enfant, ceci est un signal fort aux violeurs car l'État congolais ne jure que par l'éradication de toute violence basée sur le genre. Notons que cette formation appuyée par le PNUD a été clôturée en présence de la ministre nationale du genre, de la famille et de l'enfant et du représentant du commissaire général de la police nationale congolaise. Vous avez donc compris avec moi qu'il s'agissait là de la clôture de la formation des policiers dans le Nord Kivu. Toujours dans cette province, l'on dénombre un mort et 10 personnes enlevées dans le territoire de Beni suite à l'attaque attribuée à des inconnus. Les forces vives du territoire sollicitent un déploiement rapide de l'armée nationale. Erika Smissi. Elles sont au nombre de 10 les personnes qui ont été amenées dans une destination inconnue par des hommes porteurs d'armes à feu. Les faits se passent en secteur de Benimbaou, en territoire de Beni, précisément à Moukouka, Kangwayis, qui est dans les grands noms de la province Nord Kivu. Les assaillants ont tué un homme avant d'emporter les autres avec eux. Les victimes du rapt sont tous habitants de la localité de Baou. En quoi le chef du secteur de Benimbaou, les victimes ont été enlevées pendant qu'elles étaient en cours de route en provenance de leurs champs respectifs. Parmi les victimes figurent les hommes, les femmes et les enfants. Selon les sources concordantes contactées dans la région, ces sources attribuent ces nouveaux cas d'enlèvement aux rebelles ougandais ADF très hostiles à la population civile. Les forces vives condamnent à nouveau ces cas d'enlèvement des pauvres populations civiles. Les animateurs des forces vives à Beni, les territoires veulent voir les autorités militaires en finir complètement avec les terroristes ADF. Rappelons que 50 agriculteurs de Mayangosé, une zone en conflit entre l'UCFL et la population, ont été enlevés la semaine dernière. Poursuite de la course vers l'industrialisation, le projet de la cimenterie de la province orientale vient de connaître un coup de pouce avec la mission d'inspection effectuée sur les lieux par le ministre de l'Industrie. L'on espère voir la matérialisation de ce projet qui fait couler encre et salive. Une gigantesque cimenterie à Kisangani, ce projet reste une grande préoccupation pour le gouvernement Matata. La défense du ministre de l'Industrie au chef-lieu de la province orientale, accueillie par la ministre provinciale de l'EPSP et rejoint par le gouverneur Bamanisa revenant de Bounia, tient à éclaircir toute l'eau qui a coulé sous le pont concernant l'installation de la cimenterie de la province orientale Sipor. Nous sommes venus avec une équipe pluridisciplinaire pour faire un état des lieux de la situation, voir quels sont les obstacles majeurs auxquels nous aurons à faire face jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Nous savons qu'à ce stade, il y a une problématique d'accès au site, une problématique avec le pont d'Anubouya, une autre problématique sur les infrastructures d'accueil du matériel, mais aussi une problématique qui est essentielle, et je l'ai citée avant toutes les autres, c'est la fourniture énergétique capable d'alimenter une cimenterie de cette nature. Donc nous sommes là pour faire un travail scientifique, minutieux, ramener un rapport circonstancié pour déterminer un chronogramme avec des étapes pour dire au gouvernement voilà ce qu'il faut faire. Sans attendre au gouvernorat. Le chef de l'exécutif provincial Jean Bamanisa ainsi que le ministre du Travail, le conseiller principal à la primature, le DIRCAB du ministre Duplan et la commission de suivi de la cimenterie de la province orientale Sipor, tous autour du ministre de l'Industrie, ont été conviés à une séance de travail. Une réunion qui a permis à Germain Kambinga de cerner tous les contours de la nécessité de redynamiser ce projet pour sa matérialisation. C'est dans la soirée qu'un dîner a été offert à l'honneur du ministre par son hôte qui pense que le projet Sipor va aboutir avec la détermination du ministre de l'Industrie. Retour à Kinshasa pour d'autres visites dans les usines. Et cette fois-ci, c'est le ministre de l'Environnement et Développement Durable qui est descendu à Marsavco et Kamplast pour voir si les chaînes de production du savon et des matériels répondent aux exigences de protection de l'environnement. Première étape de la visite du ministre de l'Environnement et Développement Durable, la margarinerie et savonnerie du Congo Marsavco. Dans cette industrie, Bienvenue Lyota est venu se rendre compte de l'application par Marsavco des normes environnementales dans sa chaîne de production.
L'environnement, d'abord, c'est une priorité pour nous. Une priorité, on l'a érigée, on lui donne beaucoup d'importance parce qu'on a ce qu'on appelle un comité de gestion de l'environnement, de la santé et puis de l'hygiène sur le site. Tous les mois, une réunion de revue des paramètres d'environnement pour nous permettre de nous assurer que nous sommes dans les normes. Après une visite dans les usines, Bienvenue Lyota se dit satisfait. Pour moi, je suis content à suivre la présentation que vous avez faite tout à l'heure d'une manière claire et simplifiée. Je me réjouis d'une chose parce que l'environnement fait partie de vos priorités. Ça fait partie de vos priorités et moi, ça me réjouit parce que vous savez, en tant qu'usine industrielle, si vous ne prenez pas en compte les normes environnementales, les dégâts peuvent être nombreux. À l'étape de la société qu'on place dans la commune de Limété, c'est la même motivation qui anime le ministre de l'Environnement et Développement Durable. Cette entreprise qui fabrique des mousses et ses dérivés vient d'engager une expertise extérieure pour contrôler l'application des normes environnementales dans sa chaîne de production. Le changement climatique concerne tout le monde et Bienvenue Lyota a demandé à ses entreprises de s'y impliquer davantage. Des personnes vivant avec handicap, des communes de Kimbanseke et de Njili seront sensibilisées très bientôt sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles malentendantes. À travers cette action, le centre de production des programmes et support des sensibilisations des sourds veut procéder à la prévention de ce fléau auprès des personnes vulnérables et concernées. Au regard de leur handicap, les personnes sourdes et malentendantes ont plus le droit d'être informées et formées sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Conscient de sa responsabilité, le Centre de production des programmes et des supports de sensibilisation des sourds veut atteindre cet objectif à travers la campagne de sensibilisation qu'il vient de lancer en vue de prévenir et de lutter contre ces fléaux dont sont victimes les personnes vivant avec handicap. Dans la communauté sourde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui tombent dans le coup de ces actes-là sans pour autant les connaître, sans pour autant les savoir. Et s'il faut vraiment aller en justice, vous verrez que beaucoup parmi eux seront condamnés. On veut que le sourd comprenne c'est quoi les violences sexuelles et quels sont les actes qui sont réprimés en tant que tels, mais aussi que toute la population comprenne que la fille sourde est victime de violences sexuelles et qu'il faut que ça cesse pour que les conséquences ne suivent pas. Bien avant le lancement de cette campagne, une vingtaine de PVH a été outillée durant 4 jours à un séminaire de renforcement des capacités en matière de violences sexuelles pour qu'enfin, sur le terrain, elles sachent mieux sensibiliser les autres PVH. Si on m'a pris par force, là je peux dire que c'est la violence sexuelle. Si les garçons me prennent par force, si la fille a accepté volontairement, là on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de violence. Mais si ce n'est pas à force et si ce n'est pas par son propre groupe, les garçons l'ont forcé. Là, je dois me fâcher s'il me viole et je dois vite l'accuser. Les communes d'Njili et de Kimbanseke sont donc les circonscriptions pilotes qui sont concernées dans la première phase de cette campagne. Signature aujourd'hui du partenariat pour la mise en œuvre d'une partie importante des activités du projet pour la stabilisation de la République démocratique du Congo pour la paix entre le gouvernement, la Banque mondiale et le Fonds social de la RDC. Dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, le Fonds social de la République vient de signer des contrats avec 4 ONG nationales devant effectuer des activités de prévention et de gestion des conflits dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et une bonne partie de la province orientale au travers des zones prioritaires ciblées. Pour un montant total de $1,355,620, ce projet va contribuer à la réduction des risques des conflits et à la promotion de la coexistence pacifique. D'un second préalable majeur qui consiste à signer les contrats avec les partenaires qui vont nous accompagner dans la mise en œuvre des activités liées à la prévention et à la gestion des conflits. Dans les mois qui suivent, les partenaires vont se déployer sur base d'un plan de travail qu'ils vont nous proposer. Et à ce moment-là, les activités
qui visent la gestion et la prévention des conflits vont démarrer effectivement au bénéfice des populations de l'Est. Les partenaires choisis devront aider le pays à cartographier le conflit et proposer un ensemble d'actions à mener. Nous aurons dans le cadre de ce projet de faire la cartographie de tous les conflits que nous avons dans la province orientale, entre autres dans les districts de l'Ituri et du Haut-Ouélé, les deux zones dans lesquelles nous allons travailler. Après avoir fait la cartographie, nous allons voir comment faire des propositions pour les différents conflits que nous aurons analysés. À noter que ce processus de passation de marché n'a pas été fructueux pour deux zones, à savoir Goma Rutshuru-Nyiragongo et Beni Butembo-Lubero. Le Fonds social dit avoir des contacts avec la Banque mondiale pour lever une option appropriée, devant permettre la contractualisation pour ces zones. Célébration du 40e anniversaire de l'église Bima sous le signe d'entente entre le visionneur apôtre Casimir Bolia et les fidèles venus des 620 paroisses vers le monde. À l'occasion, un bâtiment en rénovation a été visité par le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Pour le 40e anniversaire d'existence de leur église, les fidèles de l'église Bima ont eu un cadeau inespéré, à savoir le retour à Kinshasa de leur représentant légal, le chef spirituel. À cette manifestation officielle de ce 18 février 2015, comme chaque année, l'église invite les partenaires de tous genres, les confessions religieuses amies et les officiels. Et il n'y a pas que l'église que nous voyons, il y a les écoles, il y a les centres de santé. Et l'église est aussi présente à travers les provinces. Chaque dimanche, il y a 3000 fidèles dans cette église. Ça fait 3000 fidèles, 3000 familles congolaises. Dans ces familles, vous ne compterez pas de Kuluna, vous ne compterez pas de Chege. C'est un instrument qu'il faut soutenir pour consolider la paix. On peut dire que c'est parmi le patrimoine du Congo, c'est parmi ce que nous avons en propre. Les fidèles sont venus des 620 paroisses disséminées dans le monde entier, sur les 5 continents, comme les enfants d'Israël dans la Bible. Nous demandons tout simplement... Nous allons nous dire au revoir en douceur en suivant ces belles mélodies jouées à l'occasion de la réouverture de l'Institut Goethe, le centre culturel allemand fermé depuis des années suite au soubresaut dû aux transitions politiques. C'est le même ministre Frank-Walter Steinmeier et son collègue congolais de la culture et art qui ont co-présidé la cérémonie d'inauguration de ce centre. Après plus de 20 ans d'interruption, Goethe-Institut relance une nouvelle coopération culturelle entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. En présence de l'ambassadeur de France, du ministre congolais de la Culture et des Arts, du ministre allemand des Affaires étrangères, du président du Goethe-Institut et de plusieurs autres personnalités. Un parterre très important pour justifier l'objectif de promouvoir et d'accompagner les deux cultures à l'échelle d'Afrique et du monde. Je préfère largement les journées de réouverture d'un Goethe-Institut qu'au jour où on a été obligé de fermer. Je souhaite donc la bienvenue à la fanfare Massolo. La fanfare Massolo, c'est un groupe de musique qui a été bien choisi parce qu'on m'a dit que Massolo en lingala, cela signifie récit, dialogue, communication. Donc il n'y a, à mon avis, pas de devise mieux trouvée pour caractériser cette occasion qui nous réunit. Merci de nous suivre également sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain.